tempo. Et je suis professeure à l'Université fédérale de Birmanie au Brésil et au cours de danse. Et le titre de ma présentation est Fond clinique poétique, expérimentation en risque dans les images en performance. Et ma présentation est liée à ma recherche de doctorat que j'ai défendue en février 2015 au Brésil. Et je fais partie de cette recherche avec Anne Sauvignac à Paris 10, en 2014. Et voilà. L'hypothèse de mon travail, c'est si dans la création, l'exécution et la production d'une performance, mais ce n'est pas quelque performance, c'est juste une performance liée aussi au quotidien. Si dans la création, la production et l'exécution d'une performance, s'il y a l'événement d'une clinique poétique. Voilà. Je présenterai qu'est-ce que j'appelle des cliniques poétiques et qu'est-ce que j'appelle des images en performance. Et je développerai ça avec quatre éléments indicateurs. Et après, je ferai des petites conclusions. Voilà. Mais d'abord, je voudrais montrer une vidéo. Et c'est une vidéo de 8 minutes, si vous voulez tout voir. Et voilà, il n'y a pas de parole, c'est juste une image. Et je vous invite à voir. Mais je ne sais pas comment.
le nom de Dieu et l'œuf de la bouche. Emma. J'ai utilisé ce travail-là et des autres produits avec les œufs pour développer cette idée. Et je voudrais dire que l'idée de la chimie poétique, ce n'est pas une adjectivation de termes cliniques, ce n'est pas la conception d'un poétique comme un adjectif de la clinique, mais c'est la rencontre de deux champs, le champ clinique et le champ poétique. Et je vais développer cette idée-là. L'intervention performatique, elle crée et configure les images. Les images au sens que Jules Deleuze développe sur le livre Projet les signes, cinéma 1, cinéma 2. Et considérer il faut considérer qu'il y a un changement de concept d'image chez Deleuze. C'est différent de la conception d'image et différencier répétition et c'est des autres livres-là. Parce qu'il y a l'idée de que des images, c'est productrice, c'est créatrice de quelque chose. Et c'est le sens-là que je pense que l'intervention performatique crée des images que j'appelle des images à performance. Les quotidiens produisent des images fixes. Tous les temps, les images sont données, sont prévenues. Et tous les temps, il y a un directionné de ce que je perçois et ce que je vois, et ce que je dis, c'est de le discours, de le mot d'ordre, et aussi des images. Et l'intervention performatique ouvre ces images fixes-là à une nouvelle configuration. Ces images produites par l'intervention performatique ne sont pas représentatives, mais elles sont créatrices d'un nouveau rapport entre les signes en jeu et l'ambiance. Ils sont les images dehors d'ordinaire. Ce sont des images extraordinaires ou bizarres qui se produisent en dehors d'ordinaire et aussi qui produisent cette rupture à ces images fixes qui est configurée pour l'ordinaire. Et le sens d'image, le concept d'image que j'utilise, c'est justement le concept d'image que Deleuze produit en rencontre avec le concept d'individuation de Gilbert Simondon. Et c'est pour ça que j'appelle ça des images en performance. L'intervention performatique crée ces images en performance qui donnaient à voir les rapports de force qui figuraient et établi.